are in no way connected from outside this world. <laughs> what? Alright <laughs> just the truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials. Et bonne année, mes très chers shakers. Oui, je sais, pour les tout premiers d'entre vous qui regarderont cette vidéo, ce n'est pas encore la nouvelle année, mais je pense que pour l'immense majorité, ce sera la première fois où on se verra de l'année 2024. Donc, je vous présente mes meilleurs vœux. Et euh, je pense que ce sera une année où on va très, très souvent se parler et se voir. Alors, euh, j'y me <laughs> avoir des minutes devant moi avant de, de commencer à me faire engueuler par la famille. Donc on va aller euh, assez vite. Cependant, il y a quelques perles qui sont tombées. Euh, évidemment, vous aurez tous les liens dans la description de l'épisode pour aller voir par vous-même. Je vais simplement vous lire quelques extraits que j'ai trouvés intéressants sur les articles parus depuis mercredi. Mine de rien, il y en a un paquet. Je pensais qu'il y aurait une sorte de période d'alcalmie. Euh, sur le, 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 la zone de Noël. En fait, non, ça continue à pilonner tous les jours. Évidemment, vous pouvez vous rapporter au compte Twitter de... Mon compte Twitter pour le suivi des informations en direct. Nous commençons par un article d'Avila pour The Debrief. Détecter l'indétectable, les technologies du futur pourraient-elles nous aider à repérer des véhicules furtifs pilotés par des extraterrestres Alors, évidemment, c'est un extrait. Il existe une solution pour les sondes extraterrestres. Toutes les formes de matière gravitent. Et la gravité ne peut être protégée. Grâce au progrès futur des détecteurs d'ondes gravitationnelles, il pourrait être possible de détecter des véhicules furtifs gravitationnelle mis au point par les extraterrestres. La distorsion de l'espace-temps correspond au potentiel gravitationnel sans dimension que la masse du véhicule génère au niveau du détecteur, multiplié par le carré du rapport entre la vitesse du véhicule et la vitesse de la lumière. Les sondes rapides, telles qu'elles sont envisagées par la technologie de la voie lumineuse de l'initiative Breakthrough Starshot, dont je préside le conseil scientifique, sont les plus faciles à détecter. Détecter l'indétectable offre une échappatoire à la culture des médias sociaux où les interactions fortes règnent en maître, comme l'a illustré tout récemment un échange entre David Grosch et Neil deGrasse Tyson sur les sondes extraterrestres, en référence au projet Galiléo que je dirige. Afin de réduire au minimum ma marge de manœuvre pour ce type d'interaction, je n'ai pas de compte sur les médias sociaux. Ce soir, j'ai fait une exception et j'ai accepté à contre un dîner avec des fans dans un restaurant chic. Car j'ai investi une grosse somme d'argent dans la coordination de l'événement. Mais ma résolution pour la nouvelle année est de concentrer mon attention sur la recherche scientifique concernant les entités à faible interaction, en recherchant des preuves qui ne tombent pas facilement dans notre escarcelle. Je pense que des preuves extraordinaires nécessitent un effort extraordinaire. La présence discrète d'entités à faible interaction est intrigante. Comprendre leur nature définit ma réponse personnelle à la question de Billy Eilish. Pourquoi suis-je fait En fin de compte, nous devenons tous des entités qui interagissent faiblement lorsque nous disparaissons et mourons. Nous ferions donc mieux de nous préparer mentalement à cette fin en étudiant d'autres entités qui sont tout autour de nous, mais que nous n'avons jamais remarquées. De enfin, l'extrait. Donc j'espère que euh, vous avez fait très attention à ces passages de l'article, puisqu'il sous-entend pas mal de choses. Évidemment, quand j'aurai un peu plus de temps, je reviendrai dessus. vous avez le lien dans la description de l'épisode. Ensuite, nous avons Matt Laszlo, euh, journaliste euh, hop là, euh, spécialiste du Congrès américain, qui nous a fait un long article. Sur la situation politique américaine et donc alors, honnêtement tout l'article est super intéressant. Je vous ai juste pris un passage parce qu'en plus il est protégé, c'est-à-dire qu'il est payant, donc je peux vraiment, il faut vraiment que je limite l'extrait que je vous transmets, mais euh, l'ensemble de l'article est vraiment vraiment intéressant. Telle est la toile de fond de la réalité actuelle sur les pans au Capitole, où l'on trouve un groupe actif et bruyant à la Chambre des représentants, mais un silence sénatorial de l'autre côté du Capitole. Citation du sénateur John Fetterman. Le sénateur Rubio, du fait de sa nomination en tant que vice-président du comité du Sénat au renseignement, a un meilleur accès que moi en tant que nouveau sénateur. Le fait que nous soyons encore en train de discuter de cette question m'étonne. Il s'agit de la plus grande découverte actuelle et peut... D'être même de l'histoire, le peuple américain mérite de connaître la vérité à ce sujet. Fin de la citation. Donc, Matt reprend son article. Pourtant, Fetterman est resté la seule voix du Sénat. Il a passé une grande partie de sa première année à se mettre au niveau au sein de ces cinq commissions, principalement axées sur le marché intérieur. L'agriculture, la nutrition et forêts, banque, logement et affaires urbaines, environnement et travaux publics, commissions mixtes, commission spéciale sur le vieillissement. Il en va de même pour les sept autres nouveaux membres du Sénat. Aucun nouveau sénateur ne siège à la commission du renseignement. Trois d'entre eux ont été nommés à la commission des forces armées du Sénat, mais deux d'entre eux, les sénateurs Ted Budd et Mark Wayne Mullen, sont entrés au Sénat pour y siéger. Ted Budd et Mark Wayne Mullen sont arrivés au Sénat après avoir siégé à la Chambre des représentants, ce qui leur confère une plus grande ancienneté. Mais il y a autre chose qui divise les nouveaux sénateurs de la Chambre des représentants de ceux du Sénat en ce qui concerne les ovnis. À part Fetterman, les nouveaux sénateurs du pays ne semblent pas s'intéresser aux ovnis. Bien sûr, les anciens sénateurs comme Mullenbud, Bud ont beaucoup d'amis de l'autre côté du Capitole et sont donc au courant des ragots de la Chambre des représentants. Ils ont donc entendu parler du lanceur d'alerte sur les ovnis David Gauche, mais aucun d'entre eux n'a exploré ces allégations. Un autre vétéran de la Chambre des représentants, le sénateur Peter Welch, s'est montré curieux. "Est-ce que j'ai raté quelque chose enfin, la station a demandé Welch lorsque nous lui avons demandé s'il avait entendu parler de David Gauche. Il a ensuite répondu citation, « "Non, je n'en ai pas entendu parler, mais tenez-moi au courant." Fin de l'extrait donc là c'est vraiment pour vous expliquer que par rapport à même ce que je vous présente sur la chaîne on a l'impression que c'est un sujet qui est débattu et c'est vrai qu'il est débattu au Sénat et qu'il a beaucoup plus d'importance que ce qu'on pourrait lui attribuer de base mais l'intérêt des politiques et la connaissance du sujet des politiques est encore ridiculement faible euh, La... On peut même prendre l'exemple français là-dessus avec la réponse du ministre Lesture sur le sujet que vous avez sur la chaîne. Il euh, y a une déconnexion des politiques avec ce sujet-là, mais quand un politique commence à s'y intéresser, il s'y accroche énormément. Et c'est quelque chose qu'on voit du côté des scientifiques, du côté des ingénieurs, euh, du côté des artistes même. À partir du moment où quelqu'un comprend que ce sujet peut avoir un vrai intérêt, il y a une sorte de conversion qui euh, qui s'applique jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'ensuite, quand son, ce qu'on remarque, quand on prend la carrière, par exemple, d'un ufologue, c'est que au bout de peut-être 40 ou 50 ans à travailler sur le sujet, n'arrivant pas à trouver une solution, il va du coup basculer dans un ultra-scepticisme. Et j'ai plein d'exemples comme ça de personnes où elles commencent sceptiques, euh, mais raisonnablement, en se demandant mais quelles sont les preuves en commençant à étudier, en trouvant ce qu'elle considère comme étant des preuves, mais les preuves qu'elle arrive à trouver ne sont pas suffisantes pour parvenir à une conclusion sur la nature du phénomène. Et du coup, elles font une sorte de basculement intellectuel où elles se disent ⁇ Ah non, je me suis trompée au départ, comme je n'arrive pas à trouver la clé qui me permet de résoudre le problème, c'est que le problème, en fait, n'existe pas, et que je me suis trompée la première fois que j'ai inter euh, interprété les données. Enfin, euh, plutôt la seconde fois pour la même. Et il euh, y, y a ça qui se développe premièrement, mais la, la première étape, c'est déjà de comprendre que le sujet existe. Et parlez-en autour de vous, vous allez très vite euh, voir qu'il y a quelques personnes qui sont très intéressées par le sujet. La plupart des personnes, c'est encore de la pure science-fiction. Justement, par rapport à la pure science-fiction, nous avons l'inverse ici qui nous est présenté par euh, la docteure Béatrice. Enfin, je ne sais jamais si on dit docteur ou doctrice. J'ai envie de dire la docteure. La docteure Béatrice Villawell, euh, qui euh, publie dans The, dans The Conversation un article curieusement euh, écrit en portugais. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas trouvé dans les autres langues, euh, mais il est paru d'abord en portugais. Euh, OVNI, comment les astronomes recherchent des sondes extraterrestres proches de la Terre. Donc, pareil, un petit extrait de l'article. L'ingéniosité humaine nous a permis de concevoir et de lancer des sondes comme Voyager et Pioneer, capables d'atteindre les étoiles les plus proches. Nous avons entrepris des efforts tels que la Perse, la, le, Star, le Breakthrough Starshot dont on parlait tout à l'heure, qui vise à atteindre l'étoile proche d'Alpha Centauri en quelques décennies seulement, en explorant des méthodes de propulsion innovantes. L'envoi d'une sonde peut être plus économique que l'envoi de communication par radio ou laser, s'il n'est pas nécessaire de se presser. Si les humains peuvent envoyer une sonde à une autre étoile, pourquoi une autre civilisation ne pourrait-elle pas envoyer une sonde à notre système solaire Cette sonde pourrait atteindre les ceintures d'astéroïdes et y rester en se cachant à l'intérieur d'un astéroïde. Il pourrait très bien aussi atteindre la Terre en entrant dans notre atmosphère. S'il si est observé, il sera marqué comme un ovni. Une civilisation capable de produire et d'envoyer des sondes pourrait envoyer des millions d'entre eux. Elles, pardon, dans des missions explora exploratoires à travers notre galaxie. Certains pourraient soutenir que ces sondes ne pourraient exister que si elles adhéraient aux lois de la physique et de l'ingénierie telles que nous les comprenons aujourd'hui. Cependant, l'humanité est une civilisation relativement jeune et nos connaissances évoluent constamment. Bien que les humains aient rêvé de voler pendant des millénaires en regardant le ciel, cela, se cela fait seulement 120 ans que les frères Wright ont effectué le premier vol motorisé. C'était presque la première fois qu'Albert Einstein publiait sa théorie de la relativité restreinte. Comment pouvons-nous tester s'il y a des sondes extraterrestres près de la Terre et si elles peuvent être liées au phénomène ovni Il y a beaucoup d'options. L'analyse de leurs matériaux provenant d'ovnis potentiellement écrasés pourrait fournir des preuves irréfutables. Cela nécessiterait des techniques de pointe pour déterminer si ces épaves présentent des caractéristiques de fabrication exotique ou distinctement différentes. Obtenir ces échantillons exotiques, s'ils existent, peut être difficile. On dit qu'ils sont dans les mains des entreprises privées. Mais une législation récemment proposée pourrait offrir une solution à ce problème aux États-Unis en exigeant que tous les matériaux artificiels de toutes, provenant d'une intelligence non humaine soient livrés au gouvernement des États-Unis. Dans les projets que je dirige, nous recherchons des objets artificiels non humains, de courts éclairs de lumière dans le ciel nocturne. En règle générale, ces courts éclairs se produisent lorsqu'une surface plane et réfléchissante, comme un miroir ou du verre, réfléchit la lumière du Soleil. Cela peut également être le résultat d'un objet artificiel émettant sa propre lumière interne. Ces courts éclairs de lumière se répètent parfois et suivent une ligne droite lorsque l'objet tombe de l'espace pendant son orbite autour de la Terre. C'est pourquoi les satellites apparaissent souvent comme des éclairs répétés de lumière dans les images que l'on prend. Des plaques photographiques historiques prises avant le lancement de Sputnik 1 en 1957 révèlent la présence de neuf sources de lumière transitoires qui apparaissent et disparaissent en une heure dans une petite image, défiant les explications astronomiques. Dans certains cas, les sources lumineuses transitoires sont même alignées, comme lorsque de courts éclairs proviennent d'objets en mouvement. La découverte la plus récente de ce type montre trois étoiles brillantes dans une image datée du 19 juillet 1952. Par coïncidence en même temps que les célèbres vols de au-dessus de Washington, les trois étoiles n'ont plus jamais été revues. Environ 60 ans de recherche de civilisation extraterrestre sur les fréquences radio n'ont abouti à aucun candidat. Nous sommes à un moment où de nouvelles voies doivent être explorées. Cela signifie que nous pouvons enfin concentrer notre attention plus près de chez nous. Quel que soit le résultat ce voyage est certainement un hommage à notre insatiable curiosité. Alors, il y a un point qui, qui m'intéressait. Euh, D'ailleurs, j'aurais dû l'expliquer avant, mais le, le, le Breakthrough shot c'est en gros, vous utilisez euh, une mini-sonde, mais vraiment quelques grammes, euh, sur lequel vous mettez sur une grande voile, et ensuite vous utilisez un laser à forte puissance pour envoyer de la lumière sur la voile solaire. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas le, le flux de photons du Soleil, vous, vous pulsez littéralement les photons sur la voile solaire pour la propulser à des vitesses relativistes, pour la peine. Donc c'est ce dont elle parle là. Et ça, je voulais y revenir parce qu'il y, y a beaucoup de, de scientifiques ou de vulgarisateurs de la science qui disent qu'on euh, ne pourra jamais rencontrer une espèce extraterrestre parce qu'ils sont tout simplement trop loin. Et juste faites, faites un, un calcul qui est très très simple. Euh, vous prenez Alpha Centauri, qui est une planète euh, pas très loin, qui potentiellement, enfin, euh, qui est un système solaire pas très loin, qui potentiellement pourrait avoir euh, des planètes euh, de type rocheuse, potentiellement, alors là c'est très potentiel, avec de la vie dessus, et regardez la distance, et ensuite calculez le temps que mettrait un engin accélérant juste à 1G. Il, il a une accélération de 1G pendant la moitié du parcours. Ensuite, ils se retournent et ils freinent à 1g de décélération. D'accord parce que à l'intérieur, les personnes qui seraient dedans auraient l'impression d'être sur terre parce que l'accélération de 1g correspondrait à une gravité ressentie à l'intérieur de 1g. Donc pour elles, c'est comme si elles étaient sur la planète Terre. Donc il n'y aurait pas d'effet lié euh, à la dégradation du corps parce qu'il se situe en basse gravité. Et regardez juste le temps que ça prend de se déplacer en accélérant à 1G, puis en décélérant à 1G. Et vous verrez que vous n'avez pas besoin de moteur supraluminique. Oui, ça prend du temps, mais ça ne prend pas non plus des millions d'années. D'autant en plus qu'on parle de distances qui sont relativement courtes à l'intérieur de notre espace euh, cosmologique, on va appeler ça comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours assez euh, impressionné, c'est le fait de considérer qu'on ait besoin de franchir des galaxies entières pour essayer de trouver des espèces euh, extraterrestres. Mais on en reparlera euh, ensuite. Ensuite, on a des nouvelles de notre très cher Chris Leto, euh, dont je ne vais pas vous montrer l'image, parce que j'aimerais bien que vous alliez la voir vous-même. Le lien sera dans la description de, de l'épisode. Euh, le... Il nous fait une mise à jour sur les enquêtes qui se sont déroulées sur la vallée des et il montre le c'est pas une image radar mais le relevé des données qui a été récupéré du fond du lac où il y a eu un cas de crash euh, il y a plusieurs dizaines d'années et il euh, y, y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé pour la peine euh, tac ils disent qu'ils n'ont pas enregistré un objet mais une signature sur le fond du lac. Et donc la prochaine étape est en fait euh, se déroulera en février et ils vont profiter du fait que le lac soit gelé et de connaître exactement où se situe la signature pour aller creuser dans le lac et ensuite descendre en plongée directement au-dessus de la signature qu'ils ont récupérée pour voir en quoi c'est fait. Et ils montrent à l'intérieur euh, l'image issue de la euh, du traitement des données euh, qui ont été récupérées par la sonde dont on avait parlé il y a deux mois, je crois. Euh, et donc, je vous laisse aller le voir honnêtement. Euh, ça lui coûte un bras d'organiser tout ça. Euh, donc, allez lui mettre des vues sur sa chaîne. Et si vous êtes bilingue et que vous ne connaissez pas la chaîne de Cresceto, allez-y, franchement, le gars. Et absolument adorable et d'ailleurs on continue avec un double Chris Leto ce soir puisque vous avez le docteur brown qui vient expliquer comment photographier avec un haut degré de confiance dépend euh, en mode furtif et donc je vous conseille d'aller regarder cette vidéo aussi globalement c'est euh, en utilisant des euh, caméras professionnelles à 120 images par seconde avec des modifications de capteurs pour enregistrer les infrarouges et ils arrivent à euh, enregistrer un très grand nombre d'anomalies qui ne qui ne peuvent, pourraient être expliquées que par des objets euh, se déplaçant à très très grande vitesse dans le ciel et en très grand nombre. On continue avec, alors on en avait parlé il y a wow, euh, un an et demi quelque chose comme ça, mais on a le signalement de Shaquille O'Neal qui revient euh, dans l'actualité. Euh, c'est publié par Sportsmanor. Selon O'Neal, l'incident s'est produit en 1997 près de Madera, en Californie. O'Neal a déclaré à Madeira en Californie, et juste au moment où nous sommes passés devant une foire, je pourrais jurer que j'ai vu une soucoupe volante descendre avec toutes les lumières et qu'elle tournait sur elle-même avant de décoller. Il a ajouté que ses amis, qui étaient également présents, étaient tous choqués par ce qu'ils avaient vu. Donc on en avait parlé il y a un moment, mais je me suis dit, tiens, c'est intéressant que ça revienne là. Ensuite, probablement quelque chose dont je vais vous faire la traduction en entier quand j'aurai le temps. Aujourd'hui, c'est chargé. Euh, C'est publié dans le très très sérieux Nature. Euh, le paradoxe de Fermi fait référence au décalage entre l'attente largement répandue selon laquelle la vie technologique avancée devrait être courante dans l'univers, récemment stimulée par la découverte que d'autres systèmes planétaires sont courants, et l'absence de toute preuve à cet égard. Nous passons ici brièvement dans cet article en revue les tentatives de résolution de ce paradoxe et concluons que soit 1. Les civilisations extraterrestres sont extrêmement rares ou absentes dans la galaxie, soit deux, elles existent, mais se cachent délibérément de nous, un scénario généralement connu sous le nom d'hypothèse du zoo. En ce sens, nous proposons que la réponse au paradoxe de Fermi soit l'hypothèse du zoo ou rien. Nous soutenons que si l'humanité s'engage fermement à poursuivre l'exploration de l'univers, elle pourrait être en mesure de faire la distinction entre ces deux alternatives au cours du prochain demi-siècle. Euh, c'est donc intitulé Est-ce que euh, l'absence apparente d'espèces de, extraterrestres technologiques euh, peut s'expliquer euh, par l'hypothèse du zoo ou par leur absence euh, Et c'est très sympa de voir cet article qui est paru dans Nature, hein, qui est une revue de référence, parce que du coup, ça permet de construire d'autres articles scientifiques qui répondent à cet article-là. Mais cet argument, il a déjà été en un sens démonté depuis assez longtemps. C'est tout ça mais par contre, c'est parce que euh, il existe encore parce qu'il est très peu représenté dans la littérature. C'est-à-dire que dans la littérature, vous avez trouvé beaucoup de signalements d'objets qui sont considérés comme euh, euh, des, des, les canons euh, d'un objet d'un ovni, euh, une choucoupe volante, un objet métallique qui se déplace à haute vitesse, etc. Mais dans la littérature spécialisée, vous avez aussi toute une partie euh, travaillée par Marie-Thérèse de d'ailleurs où euh, il y a des rencontres rapprochées qui sont, euh, dans de rares cas bénéfiques, dans la plupart des cas assez traumatisantes pour les témoins. Parce que je ne sais même pas si on peut appeler ça témoin, ce serait plus victime pour la peine, euh, puisqu'il n'y a pas consentement de la personne. Euh, voilà. Tiens, c'est ce une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a des cas de rencontres rapprochées où il y a consentement du témoin ah, je vais aller chercher dans ma bibliothèque. Euh, mais quand on fait attention à ces rencontres rapprochées, en fait, elles sont très très explicites. Donc, en fait, euh, si, si on est dans l'hypothèse du zoo, bah en fait, euh, et je, je crois que c'est Jacques Vallée qui l'avait dit ou un très grand nombre qui l'avait dit, euh, si on est dans l'hypothèse du zoo, bah, alors on a les pires gardiens de zoo de la, de l'univers parce qu'on les voit en permanence. Euh, et on les voit de très près en permanence. Et ils discutent avec nous en permanence, euh, même si on n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'ils disent. Donc voilà. Euh, en tout cas, euh, symboliquement, c'est très très bien d'avoir cet article qui est publié dans Nature. Je verrai si c'est vraiment intéressant. Je vous en ferai la, la traduction intégrale. Ensuite, dans The Debrief, euh, on retrouve notre très cher Adilov, L'intelligence, la voie vers une croissance exponentielle. Pareil, quelques extraits. La communication est par le langage et les mathématiques et la clé de l'évolution exponentielle de la science et de la technologie. Le partage de l'information favorise sa croissance à un rythme proportionnel à ce qui est déjà connu par la communauté. Il est raisonnable d'imaginer que ces caractéristiques sont universelles et qu'elles s'appliquent probablement aussi aux espèces extraterrestres vivant sur des exoplanètes. Si des gadgets extraterrestres peuvent atteindre la Terre, il est probable que des expéditeurs communiquent entre eux par le biais d'un langage. En d'autres termes, les extraterrestres technologiques communiquent. Et si leur croissance technologique est exponentielle comme la nôtre, ils pourraient être bien supérieurs si leur âge technologique dépasse le nôtre. Lorsque nous rencontrerons leurs gadgets, nous serons peut-être remplis d'une crainte religieuse, comme Moïse, qui, en voyant le buisson ardent euh, qui ne s'est jamais consumé, a conclu qu'il avait été fabriqué par une entité surhumaine. Les humains ont dépassé le niveau d'évolution des chimpanzés, non pas en développant de meilleures aptitudes motrices, mais en mettant au point des fusées capables d'atteindre la Lune et Mars. Dans cette perspective, il est surprenant que certains de mes collègues insistent sur le fait que les météorites interstellaires doivent être des pierres. C'est ce que j'appelle l'âge de pierre de la science. Imaginer ce qui pourrait se trouver au-delà du système solaire est une marque d'intelligence. Nous savons que 83% de la matière cosmique n'est pas constituée de pierre, mais d'une substance inconnue appelée matière noire. Pardon. On vient de boire un chat dans la gorge. Notre capacité à envisager des alternatives à ce qui nous est familier permet de faire progresser nos connaissances scientifiques. Ceux qui insistent sur les connaissances du passé resteront ignorants de la même manière que les chimpanzés n'ont jamais imaginé atterrir sur la lune et que les dinosaures non n'ont jamais regardé dans des télescopes pour anticiper une catastrophe imminente due à l'impact d'un astéroïde. L'extension de nos aventures dans l'espace interstellaire au-delà des frontières du système solaire serait la prochaine marque de l'intelligence et de l'ingéniosité humaine. Enrico Fermi a demandé où est-ce qu'ils sont tous la réponse pourrait arriver dès que nous quitterons le nuage d'Orde pour l'espace interstellaire. Citation, enfin, imaginez. Bienvenue dans le club des civilisations intelligentes dont les connaissances augmentent de façon exponentielle. Voilà, fin de l'extrait. Il est en train de développer un humour à Villov qui est très très froid mais que j'adore. Euh, ensuite, on a un petit truc qui nous est sorti du boisseau. On a euh, la Chambre des représentants du Canada qui a sorti une transcription de l'interview du lieutenant-général Alain Pelletier concernant les cas de février euh, donc du coup 2023, puisque quand vous m'écouterez, on sera en 2024. Et donc, réponse du lieutenant-général Alain Pelletier à une question posée par euh, les, la Chambre des représentants. Bien sûr, l'une des choses qui nous intéresse actuellement est de catégoriser les objets, comme je l'ai dit plus tôt. Nous avons intercepté les objets. Nous avons essayé de capturer quelques images de ces objets, mais étant donné leur vitesse très lente comparée à la vitesse rapide des chasseurs à haute altitude, nous avons eu très peu de temps pour les observer. De plus, les conditions de luminosité n'étaient pas aux optimales, notamment pour les objets 1 et 2 la semaine dernière. Ce que nous avons vu au Yukon semblait être un ballon, mais les autres objets semblaient être des structures. C'est pourquoi nous voulons capturer ces objets, pour utiliser un terme militaire, et les analyser pour déterminer s'il s'agit de ballons ou d'autres types d'objets, comme un drone, et pour mieux comprendre leur origine et ce qu'ils peuvent faire. Voilà, donc euh, grand merci euh, au Canada euh, et aux Québécois qui, je sais, sont très nombreux à écouter cette émission, et c'est très cool de vous avoir sur la chaîne. C'est un réel plaisir, y compris dans l'équipe d'ailleurs. Euh, puisque je pense que vous avez encore une des démocraties qui fonctionne le mieux sur la planète. Et s'il y a des documents officiels, et ils existent au Canada, on le sait, euh, qui peuvent sortir un jour et qui n'auront absolument pas de gants sur la façon dont appeler certaines choses, je pense que ça viendra du Canada. Euh, ensuite, on a le très sérieux Slate qui nous a sorti une rétrospective de son, de son année et le podcast qu'ils ont choisi euh, dans leur rétrospective est justement une revue euh, du, des auditions au Congrès avec David gauche Donc, j'ai trouvé intéressant qu'une grande plateforme mette ça en avant. Ensuite, sur Newsmax, nous avons eu notre très cher euh, représentant euh, du Tennessee Tim Burchett qui a donné une interview. Le représentant républicain du Tennessee, Tim Burchett, a proclamé mardi sur Newsmax que les extraterrestres sont 100% réels et que sa proposition de loi annuelle sur la politique de défense visant à rendre cela public a été supprimée. Cela mettrait le département de la défense hors d'état de nuire ainsi qu'une foule d'autres raisons telles que le pouvoir et la corruption. Selon USA Today, la proposition de Burchett aurait ordonné au Pentagone de déclassifier les données relatives aux observations devenues connues du public, tant à la condition qu'ils ne révèlent pas les sources, les méthodes ou ne comprennent pas la sécurité nationale des États-Unis. À interroger par Rob Schmidt Tonight sur les raisons pour lesquelles la mesure a été supprimée, le membre du Congrès répond, citation, « Imaginez que nous ayons quelque chose avec cette incroyable source d'énergie. » Cela mettrait le Pentagone en faillite. C'est le pouvoir, c'est la tromperie, c'est la corruption. C'est tout cela, Washington. Fin de la citation. Schmidt demande alors citation, En tant que membre du Congrès, vous pensez que, votre, que notre gouvernement sait beaucoup plus sur la vie extraterrestre qu'il est prêt à nous le dire? Dans quelle mesure êtes-vous certain de cela? Burchett répond 100% je ne dis pas que je sais tout mais je sais qu'il s'agit d'une opération de camouflage depuis le premier jour camouflage cover-up couverture donc burchett qui continue à allumer euh, alors qu'on est en pleine vacances de noël c'est quand même cool à voir dans florida today euh, donc un petit extrait le c'est titré un vétéran de l'air force a des théories sur les ovnis qui pourraient vous surprendre et euh, l'auteur de l'article qui a un auteur dans la vie réelle euh, explique son, sa pensée à l'intérieur. Et euh, je vous lis euh, globalement le, le paragraphe où il l explique. L'une des hypothèses concernant ces objets et la raison pour laquelle ils semblent disparaître si rapidement est que ces engins pourraient ne pas être extraterrestres du tout et qu'il s'agirait en fait de voyageurs temporels venus du futur. Ces ovnis et pans pourraient être nous, disparaissant de ce moment dans le temps, pour aller vers un autre dans l'avenir de la Terre. Ah, on pourrait vous faire la revue de, du bouquin de Masters, Extra Tempestriel, euh, sur le sujet. Euh, un énorme article de Newsweek. Alors là, franchement, euh, il faut avouer que sur l'année 2023, Newsweek a fait un boulot impeccable à suivre le sujet. Euh, donc, je vous laisserai aller lire parce qu'en fait, c'est le résumé de ce qui s'est passé dans l'année avec des interviews de Shostak, Copparapou et Loeb sur le sujet pour donner un peu la perspective du plus euh, sceptique au plus euh, convaincu, on va dire. Euh, mais ils ont fait un sacré taf, franchement. C'est vraiment cool de voir Newsweek monter sur le sujet. Euh, un peu plus exotique paru sur fils pourquoi l'univers pourrait être un hologramme. Il y a un quart de siècle, le physicien Juan Maldacena a proposé la correspondance AdS/CFT, une connexion holographique intrigante entre la gravité dans un univers tridimensionnel et la physique quantique à la frontière bidimensionnelle de l'univers. À ce stade, même un quart de siècle après la découverte de Maldacena, cette correspondance n'est qu'une conjecture. Une affirmation sur la nature de l'univers, qui semble vraie, mais dont il n'a pas encore été prouvé qu'elle reflète la réalité dans laquelle nous vivons. De plus, son utilité et son application à l'univers réel sont limitées. Nous n'avons pas trouvé de théorie quantifiée de la gravité, nous n'avons aucune description de ce qui se passe réellement à la frontière d'un trou noir. Mais nous avons appris au cours de nos pérégrinations quantiques que les entités physiques tridimensionnelles ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être. En effet, elles sont moins profondes. Les trous noirs ne peuvent être décrits que par leur surface, leur limite, leur bord, plutôt que par leur étendue totale. Et lorsque nous appliquons cette même chaîne de raisonnement, à savoir que l'holographie est un élément essentiel du puzzle gravitationnel quantique, nous obtenons la correspondance ADS-CFT et une voie potentielle vers la gloire. De la théorie des corps. Donc voilà, on euh, j'en parle assez rarement, mais je pense qu'on pourrait faire une émission sur l'univers euh, holographique parce que pour la peine, il y a une petite communauté de scientifiques qui bosse dessus et euh, ils ont trouvé des trucs assez sympas. Voilà, mes très chers checkers, je vous souhaite une très bonne année. Euh, ça a été un réel plaisir de vous avoir tout du long de cette année euh, 2022-2023 ou 2023 2024 du coup je sais je suis un peu perdu sur la façon d'appeler les années est-ce que ce qu'on vient de vivre c'est 2022 2023 ou est-ce que c'était 2023 2024 euh, si quelqu'un peut me trouver cette réponse je n'ai pas réussi à trouver euh, la réponse par moi-même donc, passez une très bonne soirée. Euh, merci beaucoup pour les commentaires sur la vidéo précédente avec les sujets que vous vouliez euh, écouter, la liste des 10 sujets que vous vouliez écouter euh, et avoir sur la chaîne en premier. C'était super intéressant pour la peine parce que j'ai eu pas mal de surprises. Euh, je pense que je vais continuer encore sur cette émission-là. Donc, si vous, s'il y en a qui veulent me rajouter leur liste de 10 sujets euh, ou des trois sujets, hein, peu importe, les, que vous voudriez avoir sur la chaîne, mettez-les-moi ce sera un, un réel plaisir pour moi de euh, répondre à vos commentaires. Bien, j'ai déjà pulvérisé le temps. Je vais me faire arracher la glotte par ma famille. Passez une très très bonne soirée, semaine, matinée. Ça dépend quand vous écoutez cette émission. On se retrouve très bientôt. Au revoir. And, then back the second. Right, and that's just a truth. Government has made contact with intelligent extraterrestrials.